C'est le hasard qui détermine les grandes histoires d'amour. Depuis toujours, tu me bassines avec tes théories à deux balles sur l'amour, la rencontre parfaite. C'est ce qu'elles disent de nous. On a un sexe à la place du cerveau. Ça va, je te dérange pas là? Moi j'assume. Quoi? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure. Pourquoi moi j'ai pas droit à ma rencontre avec une femme qui me plaît? Bon bah... maladie? Pardon? Bah oui, on dit toujours santé. Alors maladie, ça change un peu. Moi, le prochain que je chope, je lui donne pas plus de 5 minutes pour me faire bouffer l'oreiller. C'est grave. Grave en manque, c'est clair. Ça fait un peu Princesse Leia dans Star Wars. Et avec les cheveux détachés. Et là, on dirait plus Chewbacca. Je lui tire des gonzesses. Ah, Michel, c'est des années de travail, tu vas m'en prendre? On a vu son regard. C'est le coup de foudre. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait du bien, hein? J'ai presque envie de pleurer. Tellement belle, tellement douce. Si vous la voyez, elle... Attention, je peux frapper. Je connais beaucoup de femmes qui savent faire le crotal. Que c'est quelqu'un qui demande qu'à révéler la partie sensible de son âme. Une bite! Faut que tu penses comme une bite, faut que tu regardes comme une bite. C'est quoi un regard bite? Madame, je vous ai vu plaider et... j'ai envie de vous dire bravo. J'ai pris une leçon de droit d'éloquence. Gentil, merci. Oui, non, mais une autre fois, parce que là, c'est pour montrer à un ami... Enfin bon. Tu vois? C'est génial! Comment ça, un bébé? Mais de moi, elle en est sûre? Bon, comment il s'appelle? Attendez, redites-moi le nom parce qu'on a été coupé. Arvid! Ah bah non, on n'a pas été coupé.